Bonjour à tous, ici Largo pour une présentation, une aventure solo sur First Martian, aventure sur la planète rouge, un jeu édité par Edge à partir de 14 ans, et c'est l'auteur, c'est Ignacy Trewizek, j'espère bien prononcer le nom de ce monsieur polonais. Bon, ce n'est pas un inconnu, c'est le monsieur qui a fait Robinson, donc un hit, un classique désormais des jeux solo, solo et coopératif, surtout coopératif d'ailleurs avant d'être solo. Et c'est aussi l'auteur plus récent du Détective, et Détective qui est sorti il y a quelques mois, qui a plusieurs prix, notamment Cannes, il me semble avec l'As d'Or en prix expert, récemment c'est le prix des éditeurs qu'il a eu, enfin c'est un jeu qui a eu un grand succès et connu, donc vous connaissez peut-être Détective, vous avez peut-être la boîte. Je ne l'ai pas essayé encore, mais alors toutes les critiques que j'ai vues sur ce jeu sont dithyrambiques. Sans contestation possible, c'est un excellent jeu. Alors avec First Martian, c'est un excellent jeu aussi. Mais il y a des mais, donc notamment au niveau de la notice. La notice sur ce jeu, malheureusement, a été mal rédigée. C'est un fait, c'est incontestable. Si vous voulez faire une partie de ce jeu, vous serez obligé, en plus du livret de règles, d'aller consulter de télécharger la FAQ sur le site de Edge. Et celle-là, par contre, est très bien rédigée. Toutes les réponses à vos questions vont se trouver dans cette FAQ. Parce que si vous essayez de faire une partie avec seulement la notice, eh bien, je crains que vous ne laissiez le jeu sur votre étagère et que vous n'y jouiez pas, parce que il y a vraiment beaucoup d'imprécisions sur cette notice. C'est catastrophique. Alors je pense pas que c'est pas la traduction française qui est en cause, c'est vraiment la rédaction à la base. Ça manque d'exemples, ça manque d'encadrés pour les points importants, c'est pas suffisant. Il y a pas de doute là-dessus. Voilà. Donc ça c'est un défaut. Mais passé ce défaut, eh bien, je pense que First Martian, vous devez l'acheter parce que c'est vraiment un très très bon jeu. Voilà. À confirmer avec les scénarios, donc c'est un jeu à scénario, c'est un jeu narratif. À confirmer avec les scénarios suivants, mais par rapport à ce que j'ai joué sur le scénario d'initiation, c'est vraiment très intéressant comme jeu. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet après ces petites considérations sur le matériel. Donc j'ai fait la mise en place. Alors là, ça va pas être une vidéo pour expliquer toutes les règles. Je vais surtout m'attarder sur les points de règles sur lesquels moi je me suis trompé et qui donc où il y a des imprécisions dans la notice. Si vous souhaitez une vidéo sur les règles, je vous recommande la vidéo de Chaps, C-H-A-P-S, qui a fait pas mal de vidéos sur plein de jeux. Et là, vous avez une vraie vidéo règle, un peu à la Yann Drève, qui va tout vous expliquer. Il n'y a pas d'erreur dans la vidéo, c'est bien fait. Voilà, je vais quand même revenir un petit peu sur les règles. Si vous êtes débutant, vous pouvez suivre cette vidéo, mais je ne vais pas tout expliquer. Mais presque tout. Alors, je vous montre l'application sur tablette. Donc ce jeu se joue avec une petite application tablette. À noter que l'application PC qui existe, eh bien elle existe, mais elle n'est pas en français. Donc ça a été traduit sur les tablettes et sur les téléphones, mais ça n'a pas été traduit sur PC, donc je trouve ça incompréhensible. Si vous avez l'espagnol, vous avez 5 ou 6 langues, mais pas le français. Donc c'est un petit peu dommage quand même. Bon, surtout que sur un PC, c'est agréable. Alors, vous pouvez jouer très bien avec un smartphone ou une tablette. L'écran du smartphone suffit amplement. L'application n'est pas intrusive. Elle vient vraiment en complément. Elle remplace un paquet de cartes événements. C'est pas le héros du jeu, c'est pas l'application. Moi j'aime pas les jeux où tout tourne autour de l'application, notamment Chronicle of Crimes. Bon, bah, y a celui qui manipule la tablette,
qui regardent la scène d'écran et puis les autres attendent. Donc ça, j'aime pas. C'est pas le cas sur ce jeu. C'est vraiment un complément. Alors, au niveau de la mise en place, donc à côté de la tablette, vous avez donc notre hub. Alors, on va régler un petit peu cette caméra. Hop. Nous avons les réserves d'oxygène. Donc pour l'instant, elles ne sont pas en jeu puisque c'est le scénario qui va indiquer quelles sont les réserves d'oxygène, d'électricité et de nourriture. Vous avez le moral, le stress, des premiers modules, le bloc système. Donc ici, c'est le plus important, c'est ce qu'il y a tout en haut. C'est l'oxygène, l'électricité et la nourriture. Ensuite, vous avez un bloc d'habitation. Alors, le bloc d'habitation, oui, c'est ça. On va le mettre correctement. Alors, c'est un jeu où il y a une petite mise en place. Hein. Je ne vous cache pas que pour préparer une partie, c'est du costaud. Mais ça vaut le coup. Voilà. Donc, à côté de chaque bloc, eh bien, vous avez un petit panneau de défaillance. Donc là, on va commencer à zéro. Celui-ci n'est pas à zéro. Ensuite, vous avez les blocs ateliers. Donc le poste de travail pour construire ou réparer, le labo de recherche, le hangar à sondes, le garage d'exploration pour aller explorer la planète. Dans le bloc habitation, je n'ai pas cité, mais on a la salle de repos, les quartiers de l'équipage, le poste médical et le centre de contrôle. Nous avons enfin dans le garage le Scorpio et le Froggy qui vont pouvoir vous aider à faire des actions, le panneau de recherche et l'encart de défaillance. Hein, l'encart de défaillance, bon, j'y viendrai quand ça sera le moment. À côté, vous avez les défaillances bloc système, les défaillances bloc d'habitation, les défaillances bloc atelier, une réserve handicap, hein, c'est des puits handicap, une réserve de jetons. Là-bas, ce sont les jetons coupures. Lorsque un bloc n'est plus alimenté en oxygène ou en électricité. C'est une partie en solo, donc nous allons avoir l'aide du véhicule logistique, de l'opérateur robotisé, du drone de cartographie et de l'assistant de recherche. Des petits jetons qui vont venir se fixer sur les petits emplacements ici. Nous avons nos cartes compétences et les deux astronautes que nous avons choisis. Donc lorsque vous jouez en solo, hein, vous ne pouvez pas jouer avec un seul astronaute, c'est deux astronautes. Vous pouvez en prendre quatre si vous voulez, mais le jeu prévoit en solo, eh bien vous en choisissez deux et vous avez à chaque tour l'appui des MEA. Les MEA, alors les initiations, machines d'exploitation automatisée, MEA. Donc vous avez les quatre et vous pouvez en choisir deux à chaque tour. Et donc ça va vous donner des jetons actions. Les jetons actions sont ces gros jetons transparents qui sont assez bien faits. Chaque astronaute en a deux. Donc deux actions possibles. Et puis chaque astronaute a trois cartes compétences. Donc, quand vous ne jouez pas en campagne, vous avez ces trois cartes compétences disponibles pour la partie, sans avoir à les produire. Mais si vous jouez en campagne, il vous faudra, par l'intermédiaire du module du moniteur de recherche, produire ces cartes, ces compétences en fait. Hein. Alors, chaque astronaute a une petite capacité. Donc ici, pour le mécanicien, si vous dépensez un jeton moral, vous relancez n'importe quel démarron. Les démarrons, eh bien, ce sont ceux-là. Ils sont situés juste au-dessus du bloc du poste de travail construction. Les dés bleus pour le labo de recherche. Les dés gris pour le hangar à sondes. Et le garage d'exploration, les dés verts. Alors ça m'amène à une grave imprécision de la règle. C'est concernant les actions NUC et les doubles actions. Donc, si vous avez lu la notice, vous savez que si vous avez un ou deux personnages, ici, si vous ne mettez qu'un seul jeton action, vous allez devoir lancer les dés pour savoir si vous avez réussi l'action.
Et si vous mettez deux jetons action, vous ne lancerez pas les dés. Lorsqu'on lit la notice, on a l'impression que les dés verts, les dés gris, les dés bleus et les dés marrons sont aussi lancés. Et il est bien précisé que les dés verts s'appliquent également, les dés gris s'appliquent également à la salle de détente, les dés bleus s'appliquent également au poste de soins et les dés marrons s'appliquent également au centre de contrôle. Alors, ils ne s'appliquent que si le processeur est tombé en panne, en fait. Car si, ici, vous avez un module rouge, eh bien, c'est en panne et vous allez devoir lancer un seul dé, le dé qui vous dit si c'est réussi ou si c'est raté. Donc ça, c'est pas clairement précisé dans la règle, mais c'est clairement précisé dans la foire en question sur le site de Edge. Et personnellement, j'ai eu des petites difficultés à bien comprendre ce point-là. Hein. Donc toutes ces actions-là, les actions du bloc d'habitation, si vous mettez un jeton, elles sont automatiquement réussies, vous ne lancez pas les dés, aucun dé, sauf si le module, le processeur, on va dire, j'appelle ça le processeur, du module est tombé en panne. Donc ça, c'était une première imprécision sur laquelle moi, personnellement, je me suis cassé les dents. Voilà. Concernant en solo les véhicules, enfin les machines d'exploitation automatisée. Donc quand ces machines peuvent faire une action par elles-mêmes, à condition que ça corresponde à l'icône, donc le véhicule logistique autonome, il va pouvoir faire du travail de construction. Il peut le faire par lui-même, il travaille tout seul. Si par contre cette action vous amène à tirer un jeton aventure, donc un jeton aventure ça va être quelque chose à cocher sur l'application, eh bien c'est l'astronaute qui est propriétaire de cette machine qui va subir les résolutions en bien ou en mal de l'aventure. Là encore, c'est pas tout à fait précisé sur l'application, sur la notice. Alors sur les astronautes, j'ai oublié les deux jetons rouges pour les points de vie. Donc vous démarrez avec l'ensemble de vos points de vie. Je vous rappelle que si vous avez un astronaute qui est mort, eh bien vous avez automatiquement perdu. Nous avons les pièces détachées là-bas. Nous avons la soute. Donc là j'ai fait la mise en place pour la préparation du scénario. Normalement si vous préparez le plateau pour une mise en place lambda, vous n'avez pas forcément ça, mais là j'ai pris un petit peu d'avance. Vous avez les tuiles anneaux, les jetons points d'intérêt. Là-bas, ce sont tous les jetons objectifs. Donc les rouges, ce sont normalement les objectifs obligatoires, les jaunes, les objectifs facultatifs, et les noirs, les objectifs particuliers. Nous avons ici les améliorations. Donc quand vous jouez en solo, l'autoscanner est préposé sur le plateau de jeu. Hein. Ça fait partie de la mise en place lorsque vous jouez en solo. Vous n'avez pas besoin de construire l'autoscanner. Et l'autoscanner ne peut pas être défaussé par un effet de jeu. Hein. Vous le gardez systématiquement. Nous avons les cartes recherche. Alors les cartes recherche, elles ne sont pas bien détaillées dans la notice non plus. Donc ce sont des cartes en fait qui vous permettent d'avoir un tirage aléatoire. Donc ou un tirage aléatoire en pourcentage, donc ici on a 40%, ou un chiffre de 1 à 6 en fait pour les directions. Donc ça encore c'est pas limpide à la lecture des règles. Nous avons les jetons morale et puis en dessous j'ai pris un petit peu d'avance sur la préparation. On va y revenir. Je crois que j'ai un peu détaillé. Donc là, on a le petit jeton pour détailler les phases. Et puis, on a la fiche scénario important. Donc la fiche scénario qui n'est encore pas super claire sur certains points. C'est normal, c'est pas vous. C'est vraiment le. Je pense que le jeu a été traduit en français par quelqu'un qui connaissait très bien le jeu. Et de ce fait-là, quand il l'a rédigé, il n'a pas eu en tête, je pense. Ou alors la personne qui a rédigé la règle en anglais, elle connaissait également très très bien les jeux. Et pour la personne qui l'a rédigé, il y a des évidences, mais qui ne sont pas des évidences pour les gens qui le lisent pour la première fois. Alors, comment trouvez-vous votre nouvelle terre? Un peu poussiéreuse, mais sympa. Nous sommes en train d'installer la deuxième ferme, au cas où,
comme vous nous l'avez conseillé. Donc cette scène d'introduction, faites comme chez vous, mission d'introduction. Il faut vraiment commencer par là. Je vous recommanderais vraiment de ne pas louper cette étape d'introduction pour apprendre les mécanismes, parce que c'est vraiment pas facile. Très bien, suivez les instructions et bientôt le fonctionnement du hub n'aura plus aucun secret pour vous. Donc là, le but du jeu, ça va être d'installer une seconde ferme. Donc j'ai déjà installé la ferme de secours. Installées. Donc elles sont hors jeu, c'est-à-dire qu'elles sont posées à côté, elles sont disponibles pour les scénarios, mais elles sont hors jeu. Et quand elles seront mises en jeu, vous aurez ici des petits jetons rouges qui indiqueront que le module est en jeu et qu'il est prêt à être réparé. Alors on a des phases spéciales. Donc en exploration, quand vous effectuez l'action d'exploration sur les points A1S ou A2S, donc A1S et A2S, ce sont celui-là et celui-là. En plus de tout échantillon que vous devriez normalement placer sur cette zone, ajoutez également un objectif orange. Donc là, encore, c'est pas super clair, mais ça correspond aux jetons qui sont là-bas. Et on va mettre les jetons numéro 7 et numéro 8, comme indiqué ici. Donc ces deux objectifs facultatif, trouver les épaves des deux sondes écrasées Mars Phaser et Stargazer 3 et récupérer des pièces détachées pour réparer le hub. Je continue les actions spéciales, donc collecte. Donc l'action collecte, quand vous effectuez l'action de collecte sur les points A1S et A2S, lancez le dé de défaillance jaune et orange, ou orange. Gagnez autant de pièces de rechange choisies au hasard que le résultat du dé. Donc là, ça symbolise effectivement le fait d'aller chercher des pièces détachées pour réparer le hub. Construction, lorsque vous réparez une pièce cassée dans la ferme de secours, en plus de la réparation, action de construction ici, piochez une carte recherche. Vous augmentez vos conditions optimales de croissance de ce pourcentage. Ajustez le marqueur blanc sur le module des conditions optimales. Donc c'est quoi le module des conditions optimales? Eh bien, c'est cette zone qui se trouve à côté. Donc au fur et à mesure, vous allez réparer les trois jetons rouges qui sont ici. Eh bien, vous allez tirer une carte ici qui va vous faire réparer votre module au fur et à mesure. Donc normalement, donc vous devez arriver à 100% si c'est possible. Ensuite, objectif de la mission, vous avez conscience de l'importance de la nourriture sur Ars. Vous n'allez d'ailleurs pas tarder à en mesurer l'ampleur. Vous avez décidé de prendre le problème à bras-le-corps et de construire une nouvelle ferme. Vous aurez également besoin de nouvelles installations permettant d'alimenter cette nouvelle pièce en oxygène et en énergie. Semez de nouvelles graines et étudiez sa croissance dans les meilleures conditions possibles. Si vous réussissez, bon appétit. Mais souvenez-vous que pour rester sous le seuil, vous devez réparer les nouvelles installations, tout au moins en partie. Alors, c'est ce que j'ai indiqué. Quand vous allez mettre ces cartes-là en jeu, eh bien, il va y avoir des jetons rouges ici. Et à la fin de la partie, vous devrez rester sous le seuil, enfin au maximum, à 6 pièces en panne, y compris l'intérieur, le reste du hub. Donc là, si vous comptez, si vous installez les trois modules supplémentaires, ça vous fait 8 pannes, en fait. 8 éléments de panne sur 3 plus 3 plus 2, plus tous ceux que vous aurez ici. Donc vous ne devez pas terminer le scénario avec 7 pièces en panne. Et ça ne sera pas facile. Donc vous n'êtes pas obligé de tous les réparer, parce que vous n'avez pas besoin que ça fonctionne en fait dans le premier scénario. Alors, vous n'avez pas besoin que ça fonctionne parfaitement. Il faut juste que vous en ayez 6 au maximum. Je continue. Donc ensuite vous avez le détail des objectifs. Donc comme indiqué, vous avez construisez le panneau solaire, construisez l'oxygénateur, construisez la ferme.
Ensuite, vous allez pouvoir semer une nouvelle graine, effectuer l'action de recherche sur la ferme, déplacer une graine depuis la soute jusque dans la case 1 du moniteur de croissance. Donc pour pouvoir faire cette action, notre graine est déjà posée ici. Vous allez devoir préalablement construire une serre, puisque là, les petits jetons noirs que vous voyez, ce sont les serres. Vous ne pouvez jamais avoir plus de graines, de plantes dans la ferme que deux serres. Donc là, vous n'avez que deux serres et vous avez deux plantes qui vous donnent deux nourritures à chaque tour. Vous allez, au cours du scénario, devoir en construire une obligatoirement si vous voulez réussir cet objectif. Donc les objectifs rouges sont des objectifs obligatoires, donc ça sera obligatoire. Ensuite, effectuer l'action spéciale réglage jusqu'à atteindre 100% sur le moniteur des conditions optimales. Donc là encore, c'est pas super clair. L'action spéciale, c'est celle-ci, elle est détaillée ici, mais c'est la même que celle que vous trouvez ici, en fait. Donc, voilà, donc c'est répété au niveau des modifications des règles et dans l'action spéciale. On se demande si c'est la même chose, c'est bien la même chose. Donc là, vous effectuez l'action de construction, vous défaussez une pièce détachée correspondante à un marqueur de statut vert sur la ferme de secours, piochez une carte recherche, vous augmentez les conditions de croissance du pourcentage indiqué, ajustez le marqueur blanc sur le moniteur des conditions optimales. Alors là, je m'aperçois d'une petite boulette au niveau de cette rédaction. Ici, il est bien indiqué qu'il faut faire l'action de construction sur un marqueur de statut vert. Donc, il faut que ce soit déjà réparé. C'est l'action réglage. Alors, vous pouvez le faire. Ce que je comprends, c'est que vous pouvez le faire sur le rouge. C'est cette action-là. Mais vous pouvez aussi le faire sur un vert, ça va être cette action-là. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais il faut quand même s'attarder beaucoup sur les choses pour les comprendre. Ensuite, nous avons deux objectifs facultatifs dont j'ai déjà parlé. Hein, donc aller chercher des pièces détachées, dont je pense qu'on en aura besoin, ou trouver les épaves des leçons écrasées. Et ensuite, on a des points d'intérêt de la mission, une vue imprenable, donc plus 1 moral, sur les traces de curiosité, chaque astronaute gagne un jeton moral, et une pièce de rechange, vous pouvez repiocher une carte défaillance. Vous pouvez repiocher une carte défaillance. Alors ça, je ne l'ai pas eu, mais... son impartation m'interroge. Vous pouvez repiocher une carte défaillance. Ah, j'ai compris. Quand vous allez tirer une carte, là-bas, en cas de défaillance, et bien grâce à cette pièce de rechange, a priori, on pourra repiocher une carte. C'est ce que je comprends, mais je vois pas l'intérêt, puisque... Je ne vois pas l'intérêt, puisque de toute façon, ça sera à nouveau une défaillance. Bon, la question se posera si on tombe dessus, mais là, vous voyez, il y a un petit point qui n'est pas limpide. Alors, on va être prêt à démarrer la partie. Un petit mot sur la musique que vous entendez. Donc, c'est celle de l'application. Je la trouve assez sympa, pas intrusive, correspondant bien au thème du jeu, assez calme. Sur ce point, il n'y a vraiment rien à dire. C'est très sympa à entendre, mais pas du tout répétitif. Alors, malgré, je sais pas s'il y a plusieurs thèmes, mais je m'en suis pas rendu compte, c'est que ça passe bien. Alors là, on va jouer un scénario indépendant. Construction. Faites comme chez vous. On va jouer avec l'ingénieur et le géologue. Commencer la mission. On va jouer en moyen. Donc là, on commence la mise en place. Donc là, on place les pointeurs d'énergie et l'oxygène sur la case 12 de la réserve générale. Vous remarquerez qu'il ne dit rien sur la case nourriture. Mais sur la photo, on voit que sur la case nourriture doit être sur 10. Alors, encore une petite approximation. Ensuite, on fait la mise en place du jeu comme indiqué dans la règle. Ça, on a déjà fait.
On place les marqueurs de statut vert, vert et vert sur l'encart de défaillance, important. On lance les 3 dés de défaillance. Donc les dés de défaillance. On va rectifier ce petit marqueur vert. Voilà, donc les 3 dés de défaillance. Alors, 3 oranges, 1 rouge et 2 jaunes. Donc, 2 jaunes, 3 oranges et 1 rouge. Ça, c'est chose faite. Ensuite, on prépare les cartes d'installation suivantes. Ça c'est fait. Oxygénateur de secours, panneau solaire et ferme de secours. On prend les 3 cartes compétences, elles sont là. On prend le paquet de cartes recherche et on le place près du plateau. Donc les cartes recherche, ce sont des cartes qui nous donnent des pourcentages au aléatoire et des chiffres de 1 à 6 aléatoires. On l'a dit. Un marqueur blanc 0% sur les conditions optimales, il faut atteindre 100%. Ensuite, on pioche 2 cartes amélioration au hasard, donc ça je l'ai fait préalablement. J'ai pioché système d'alarme et satellite de reconnaissance. Donc, je rappelle qu'elles peuvent être utilisées pour les pièces détachées ou pour le module d'amélioration, c'est au choix. Au début de la mission, on dispose de 4 pièces détachées et d'une graine, c'est ici. La partie peut commencer. Bienvenue, ceci est une mission d'introduction où vous allez agrandir votre ferme. Vos astronautes sont dans le hub depuis 8 mois, cependant vous êtes sans doute nouveau ici, alors prenez le temps d'apprendre. Mais attention, on ne parle pas d'un entraînement de routine, vous avez des objectifs à atteindre, indiqués sur votre fiche de mission. Pour faire fonctionner la ferme de secours, vous aurez besoin d'autres installations et vous devrez procéder à quelques ajustements pour que les plantes poussent mieux. Vous avez fait tout ceci sur Terre, maintenant il est temps d'utiliser ce que vous avez appris. Retournez votre fiche de mission et commencez votre aventure sur la planète rouge. Cycle 1 sur 7. Aïe, petit problème. Voilà. Alors, aggraver la défaillance. Donc, lorsqu'on aggrave la défaillance, eh bien, on augmente de 1 ici. Donc, on est déjà à 4 sur le bloc d'habitation. Il va être urgent d'aller réparer tout ça. Alors, bloc d'habitation. Bruit d'explosion. C'était quoi ça ? J'ai entendu l'explosion, j'ai pas rêvé. Fermez-la tous. Bloc d'habitation, je veux un rapport tout de suite. Chaque astronaute subit une blessure. De plus, lancez le dé de défaillance rouge sur 1. Augmentez le stress de 1 sur 2. Diminuez le moral de 2 sur 3. Augmentez stress de 3. Diminuez le moral de 3. Mais c'est fabuleux ça, comme premier événement. Alors, des défaillances rouges. 2 sur 2, diminue le moral de 2. Donc on passe direct à moins 2. Ça, c'est pas bon du tout. Le premier joueur gagne ou défausse des jetons moral. Donc là, notre morale est à moins 2, je n'ai aucun jeton moral, donc c'est très simple. Notre premier joueur prend directement 2 points de dégâts. Alors, phase de production, on va vérifier l'oxygène et l'énergie. Donc on l'a vu tout à l'heure, on est bon, on produit 10 énergies et 8 oxygènes, et c'est pile poil ce qu'il nous faut. Niveau nourriture, c'est pareil, nous avons 2 plantes qui sont actives et donc tout le monde a à manger. Donc on résout les pénalités système ici. Donc, vous voyez,
Donc là, ça signifie qu'on va lancer un dé de blessure pour le... Alors, je sais plus si c'est pour le Froggy ou pour le Scorpio. Il faudra vérifier sur le moment. Là, on enlève un échantillon de la carte. Ça signifie que quand vous rapportez des échantillons, vous les manipulez mal et ils sont perdus. Ici, vous allez rajouter du stress. Et ici, vous allez avoir moins une action. Moins une action, effectivement, quand vous ferez cette action. Donc tout ça, c'est des choses qu'on résout à chaque tour lors de la phase de production. Alors là, on a un premier événement, donc on est sur la phase événement pour l'instant. Chaque astronaute gagne un moral. Empêche les conséquences futures de cet événement. Alors, il faut vérifier la cause de l'explosion. Donc, on a ici les deux actions d'événement en cours ou passé. Donc là, c'est très simple. Je vais utiliser mes deux machines. Donc, on va prendre n'importe lesquelles. Ces deux-là. On les pose là. Et donc, c'est fait. Donc, chaque astronaute gagne un moral. Voilà. Donc ici, on a toutes les missions. Donc, dès qu'on va réussir à faire ces missions, on les cochera. Et donc, on va attaquer notre premier tour de jeu avec nos 4 actions, parce qu'on n'en a que 4. Alors, ce que je vais faire immédiatement, c'est augmenter le moral. Ça, c'est sûr, c'est primordial. Le moral doit être au plus haut si vous voulez avoir une chance de réussir cette mission. Alors, je vais mettre un jeton ici. L'ingénieur mécanicien va quand même essayer de réparer. Alors, est-ce qu'on répare tout de suite ou on essaye de produire le système d'alarme direct? Alors, je vais d'abord essayer de réparer le système d'alarme avant de faire mon action de maintenance, puisque si je répare le système d'alarme, je vais avoir moins 2 au lieu de -1 degré de terme m'échappe un petit peu, mais enfin dans l'échelle, c'est-à-dire ici vous allez avoir -2 au lieu de -1 quand vous faites l'action de maintenance qui est indiquée ici. Donc je préfère d'abord réparer ce module. Et ensuite peut-être faire le centre de contrôle maintenance. Donc ça, c'était pour mon ingénieur mécanicien. Et pour mon géologue, le géologue, il va faire 2 fois l'action de morale. Parce qu'il faut absolument redresser le moral, c'est super important. Donc une fois qu'on a placé tous nos dés, enfin tous nos jetons actions, eh bien on les résout tous ensemble. En commençant toujours par le haut, il faut les faire dans l'ordre, ça peut avoir une importance. Donc là, on a nos 3 jetons moral, on peut faire l'action autant de fois qu'on veut, ça ne pose pas de souci. Et donc là, on va augmenter de 3 le moral, puisque je ne vais pas faire baisser le stress, forcément. Donc, on passe à plus 1. Ensuite, on va faire notre action de construction. Donc je n'ai mis qu'un seul jeton, donc je vais avoir un risque d'échec. Donc je prends mes 3 dés marrons et je vais les lancer. Je sors ma piste de dés. Alors qu'est-ce qu'on a? L'action réussit, ça c'est le premier point. Il va se passer une aventure et on a une défaillance.
Qu'est-ce que je raconte ? Une blessure. Donc, la blessure, heureusement, c'est notre géologue, ça lui fait une blessure. Voilà, et quand vous avez une aventure, eh bien, vous allez venir voir ce qui vous arrive en cliquant ici. Et c'est donc notre géologue. Il lui arrive quelque chose. Défausser une pièce détachée au choix de la soute. Alors ça, c'est pas bon non plus. Eh bien, je vais défausser. Je vais défausser cette pièce-là. On a fait toutes nos actions. On va passer à la phase de défaillance. Alors, on constitue la réserve de défaillance. Ce qu'ils appellent la réserve de dette défaillance, ça va être indiqué sur les scénarios tout en haut. Donc là, vous voyez que pour les tours 1 et le tour 2, il n'y a pas de défaillance. D'ailleurs, il faut que je mette mon petit jeton tour, sinon je ne vais pas me souvenir du tour auquel on est, mais l'application, ça, par contre, le fait. Donc là, on ne va pas tirer de dés défaillants, chacun sachant que nos trois systèmes sont encore en vert. Si vous avez un système malheureusement en rouge, eh bien ça signifie que vous rajoutez des quoi ce nom. Donc il est super important de garder les encarts de défaillance au vert. Alors donc là, on ne lance pas de dés, ça c'est une initiation, mais ça peut aller très très vite comme vous pouvez le voir. Et ensuite, on passe à la phase entretien. Donc la phase entretien, tous les jetons qui sont ici en instance vont passer sur la phase action en cours, donc ils vont avoir une influence sur le prochain tour. C'est la phase d'entretien ce que vous le faites. Vous passez tout ce qui est en instance de la soute vers la soute. Ensuite, on passe le jeton premier joueur dans le sens horaire. Donc là, ça va être entre le géologue qui est premier joueur. Et on déplace le marqueur blanc là-bas sur le tour numéro 2. Phase suivante. Donc là, c'est rappelé, c'est tout ce que je viens de vous indiquer. Là encore, ça a été fait. Cycle 2. Donc là, nous avons 7 tours. Pour le moins, 7 tours, c'est à 2 ou 3 joueurs. Si vous jouez à 4, vous n'avez que 6 tours. Génial, je m'appelle MC8 tout de suite. J'appelle MC8 tout de suite, je ne sais pas qui c'est. Choisissez une installation. Pour chaque marqueur de statut vert sur cette installation, lancez le dé blessure marron. Sur un résultat blessure, échangez ce marqueur de statut contre un rouge. Cette pièce est désormais en panne. Choisissez une installation. Quelle installation on va choisir ? Alors, on va choisir de préférence une installation où il n'y a pas trop de marqueurs verts. Alors, le dé marron, le dé de blessure marron, ils sont là. C'est celui-ci. Donc, qu'est-ce qu'on a comme résultat possible ? Je crois que vous avez une chance sur deux. Donc là, 1, 2. Il n'y a que deux blessures. Vous avez une chance sur deux d'avoir une blessure. Je lance. Alors, le premier, je choisis, je dis ce que je fais tomber en panne. Eh bien, ça va être le panneau solaire numéro 1 qui va peut-être souffrir d'une défaillance. Rien. Deuxième. Et là, malheureusement, donc là, ça fonctionne toujours, mais lorsque vous allez tirer les défaillances à la fin de la phase d'entretien, eh bien, vous aurez plus 1 ici. Donc là, automatiquement, ça va augmenter de 1 par tour. C'est pas trop grave encore. Aggraver la défaillance. On ajoute 1 de défaillance au bloc d'habitation. Donc ça, c'est pas bon pour nous.
Parce que lorsqu'on ajoute 1, donc on arrive ici. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de le réparer. C'est extrêmement fâcheux. Donc je le repasse sur 0, mais par contre, je tire une carte défaillance. Alors, je ne suis pas troublé. Oui, c'est ça, c'est le bloc d'habitation. Qu'est-ce qui arrive ? Obstacle, poste médical. Autodiagnostic quotidien en attente. Le premier joueur lance le dé de blessure vert et on applique le résultat. Le dé de blessure vert, c'est ici. Hop. Rien. Il se passe rien. On a un petit peu de chance. Je vais remplacer mes dés ici. Il faut être organisé pour jouer. Donc ça, je défausse. Mais par contre, comme on a atteint 5 ici, eh bien, malheureusement, j'ai un marqueur ici qui va passer en rouge. Donc, c'est lequel ? Je ne sais plus si on remonte. Donc, ça serait le bloc système, mais j'ai un doute. Alors, je vais être obligé de vérifier ça sur ce point de règle. Hop. Alors, bloc d'habitude. Si le bloc suivant dans la séquence est doté d'un marqueur vert dans l'encart de défaillance, échangez-le contre un rouge. Bloc atelier, bloc d'habitation. Bloc système, bloc atelier. Donc là, ici, on remplace ça. C'est bien ce que j'avais en tête, on remonte. Donc ça signifie qu'on lancera systématiquement le dé rouge en haut. Donc ça, c'est très très mauvais. Alors, eh bien, on a fait toutes nos défaillances, c'est bon. Alors, je récupère les deux jetons, j'ai oublié, ici. Et nos jetons actions, on les récupère aussi. Hop. Message alerte, bloc d'habitation. Piocher 3 cartes défaillance du bloc habitation et résolver. Choisissant et résolvez son effet, puis choisissant une autre que vous remettez au sommet du paquet, défaussez la carte restante. Bloc d'habitation 1, 2 et 3. Alors, on a un obstacle au quartier de l'équipage. Le premier joueur défausse tous ses jetons moral. Il en a un. Oui. Ensuite, échec de connexion. Lancez le dé rouge et appliquer le résultat. Alors ça, bah, je défausse. Hein. Chaque astronaute pioche un jeton comme ceci. Bon, ça peut être des nausées, des maladies, c'est très très mauvais, donc ça on défausse. Ça, ça va être l'action qui arrive tout de suite. Donc je défausse les jetons moral du premier joueur. Je remets ça sur le dessus. Et ça, je défausse. Ça, c'est fait. Ensuite, le premier joueur gagne ou défausse des jetons moral. Donc là, on est à plus 100 moral. Donc notre astrologue récupère son jeton moral. Phase de production. Donc, tous les blocs fonctionnent toujours. On n'a pas coupure, c'est ça les coupures. Donc c'est bon. Alors là, on a une alarme dans le bloc d'habitation. Pour deux actions, on défausse la carte du dessus du paquet habitation, empêche les conséquences futures de cet événement. Donc là, je ne vais pas le faire tout de suite. Alors, j'oublie à chaque fois de basculer notre petit jeton. Je ne sais pas si je vais le faire parce que bon, il n'y a pas franchement une grosse utilité. Donc là, on est à la phase action. Comme on a l'appli qui nous rappelle ce qu'il faut faire. Alors, action. Qu'est-ce que je vais faire à ce tour-là ? Alors, on a oublié de... J'ai fait un premier oubli. Comme je suis joueur dans Arcane, normalement j'essaie de ne pas faire trop d'oubli, mais tout à l'heure on avait réussi à construire notre système d'alarme. Donc c'est cette carte-là, on la défausse.
et on met en place eh bien, notre système d'alarme et on le met ici. Alors, on le met où ? Je ne me trompe pas. Oui, on le met ici. Qu'est-ce que je raconte? Hop, voilà. Ça, c'est fait. Alors, on va jouer nos actions. Première action, je voudrais que notre morale soit à plus 3 en début de partie, c'est important. Donc on va envoyer l'astrologue pour une action, ça veut dire qu'il consacre une partie de la journée à se détendre. On va envoyer l'ingénieur mécanicien au centre de contrôle maintenance. Et puis notre géologue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer pour planter la graine, j'ai un petit doute. Ça, je serai amené à consulter la notice parce que c'est bien l'action labo. Alors, ça va être plutôt l'action construction, puisque je rappelle qu'il faut d'abord que je construise une serre. Donc, voilà mes actions. Et il me reste, donc on va utiliser le véhicule autonome en soutien, donc on met les pions comme ça, donc c'est sûr que ça sera une réussite. Alors, est-ce qu'on envoie le drone de cartographie ou l'assistant de recherche? Donc la recherche, c'est pas tellement utile. On va plutôt envoyer notre drone de cartographie pour tenter de cartographier. Donc le drone, pour indiquer qu'on fait cette action-là, on le place par contre sur le secteur qu'on veut explorer. Donc tous nos jetons actions sont posés, on les résout. Ici, plus 2 en morale, on passe à plus 3 en morale. On récupère les jetons. Ensuite, donc ici on n'a qu'un seul jeton. On lance pas de dés. Je rappelle que c'est que les actions en dessous. Notre processeur est toujours en route, donc on ne va pas lancer le dé. Donc on va diminuer de 2 l'échelle de défaillance. Donc on a que le bloc atelier, tous les autres sont à 1 ou 0. Donc pour gagner du temps, on va le défausser ici. On récupère le jeton. Ensuite, c'est le garage d'exploration. Donc on va faire une première exploration. Donc on prend au hasard un jeton. On va prendre celui dessus, j'ai mélangé. Alors, ce sont des montagnes. Donc on va le mettre comme ça. Donc il est... Lorsqu'on passe par cet hexagone, on perd une action, on en perd une autre à cause des montagnes. Donc, et on place 2 jetons bleus. On va prendre des jetons bleus.
Voilà, ici. Et il y a un point d'intérêt. Donc les points d'intérêt, que je ne me trompe pas. On prend un jeton au hasard. Donc ça, c'est une vue en promenade. Plus 1 en oral. Alors encore une petite chose à vérifier sur les POI, Point of Interest. Eh bien, je pense qu'on va l'avoir tout de suite, donc on le met dans la soute, si j'ai bien suivi, en instance. Alors, où est-ce qu'on le met dans la soute? Est-ce qu'on le met en instance ou... Alors on le place dans la partie disponible de la soute. Voilà, donc on peut l'utiliser à tout moment. Je ne vais pas l'utiliser tout de suite puisque je suis à plus 3 en oral. Donc je ne vois pas l'intérêt. Donc j'ai placé mes deux échantillons. Et je récupère la machine qui revient à sa place. Ensuite, poste de travail, construction. Donc là je vais faire l'action construction d'une serre. Je prends un petit jeton noir et je construis. Je récupère les jetons. Tout le monde a joué ses actions, donc on passe à la phase de défaillance. Donc là-bas, on n'a toujours aucun dé de lancer. Par contre, on a un petit module rouge ici, ça veut dire qu'on va systématiquement lancer le dé rouge. Non seulement on lance le dé rouge, mais en plus, comme vous avez le processeur du panneau solaire numéro 1 qui est hors service, on va rajouter plus 1. 2 plus 1, 3. On passe à 1, 2 et 3. Ensuite, on passe à la phase d'entretien. À la phase d'entretien, donc la phase d'entretien, je crois qu'il n'y a rien de spécial. On va passer à la phase suivante. Alors, dès défaillance, c'est fait. Alors, on place le jeton premier joueur à l'autre joueur, comme ceci. Et on passe au round suivant. Donc on est déjà au jour 3. On passe au jour 3. Donc là en plus on va tirer le dé jaune. Message système suite. La réparation automatique n'a pas abouti. Reprise, abandon, échec. Lancez le dé de défaillance orange et appliquez le résultat. Hop. Et bien 3 en orange. C'est ici. On passe à 3. Aggraver la défaillance de 1 dans le bloc atelier. Là, bloc atelier, on est encore bien. Entrée de journal, l'explosion du générateur de secours a grillé la plupart des appareils électroniques de la zone. Pour chaque installation, lancez le dé de défaillance rouge. Sur 3, cette pièce est maintenant cassée.
remplacer son marqueur par un rouge dans cette installation. Pour chaque installation. Alors les installations, il y en a pas mal. Hein. Il y en a partout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y en a 12. Il y en a 12. Alors, je vais vérifier que c'est bien pour les 12 installations. Alors là, je gagne 3 jetons moral. Je vais les faire après, hein, la résolution, parce que j'ai un doute sur... Production d'oxygène et d'énergie, c'est bon. Bon, bah, c'était bien ça. Donc j'ai 12 jetés de dés à faire. Alors on va faire dans l'ordre. Hein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez. Dès que je fais un 3, donc 1. Et bien ça commence. 3. C'est pas possible, je fais que des 3. Il est fou. Alors là, il est déjà rouge. Oh, tant pis, il est déjà rouge. Alors, est-ce que je mets le rouge suivant? Bah écoutez, on va mettre le rouge suivant, hein, si on est puriste. Hop. On a bien fait un jet de dés. Ensuite... Ce dé me paraît un peu faussé. C'est pas possible, je ne fais que des 3. Attendez, alors j'ai encore fait un 3. Là, j'ai fait un 1. Alors, 3. Alors, tout est en panne. Hein. Là, il n'y a pas de doute. Là, c'est bon. J'ai fait un 1. Ensuite, ligne du bas. 1. 3. Moi, j'ai l'impression que le dé est un peu pipé, mais je ne sais pas si c'est moi qui psychote. Les deux derniers. 1. Et 1. Alors, tout est en panne. Hein. En panne, ça va devenir très très vite très compliqué. Alors là, je joue en moyen, j'ai l'impression que c'est super difficile. Alors, phase d'action. Eh bien, je vais dépenser mes 3 jetons pour dire je peux le faire. Choisissez une pièce en panne dans le hub, repérez-la automatiquement. Je la retourne. Je vais réparer quelque chose. Je vais réparer le poste médical. Je n'ai pas besoin de pièces de rechange pour faire cette action. Et j'ai défaussé mes 3 jetons. Bon, alors ça, je peux le faire quand je veux, c'est pas une action. Vous pouvez le faire quand vous voulez. Alors, pour récupérer les pièces, il faut 2 actions et on peut récupérer 2 pièces détachées processeur à mettre dans la partie en instance de la soute. C'est ce que je vais faire. Donc je vais mettre les 2 pions du géologue.
Je vais en mettre un tout au moins. Dans l'action d'événement en cours. Et je vais mettre derrière. Qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais mettre l'assistant de recherche. Voilà, donc j'ai bien mes deux actions. Donc c'est fait. Ensuite, je joue ma phase action. Donc le géologue, bah, faudrait bien qu'elle se soigne parce que le trouble de la concentration, c'est pas bon du tout. Donc je vais le mettre au module médical. Et lui, eh bien, il va faire l'action recherche pour planter une graine. J'en mets qu'un. Et le deuxième, je le mets à la construction. Donc il me reste une machine automatisée que je vais mettre également à la construction pour assurer l'action. Voilà, on résout. Alors, ici, c'est réussi. Donc on défausse le trouble de la concentration. Donc ça, c'est très mauvais, parce que dès que vous faites une action, eh bien, vous... ça s'en va pas, hein. Vous faites une aventure à chaque fois, donc c'est compliqué. C'est compliqué, donc je préfère le défausser tout de suite. On va mettre surface cachée. On récupère le jeton. On récupère là-bas aussi, hop, hop. Ensuite, on passe à la phase recherche. Donc là, je veux planter ma graine. Donc pour planter ma graine, elle est dans la soute, c'est le petit carré bleu là-bas. Donc je fais l'action. Donc je n'ai pas de deux jetons. Donc je lance les dés. Alors, bah c'est raté. C'est raté et en plus, je prends une blessure. Je prends une blessure, c'est le joueur, alors c'est lui, et ben lui il est presque mort, il va falloir qu'il se soigne d'urgence. Et par contre j'ai deux jetons moral. Ça c'est fait. Ensuite, donc je récupère mon jeton. Action, et ensuite là c'est automatiquement réussi. Alors je transfère ma graine, je la mets dans la case numéro 1 de la soute. Alors pour les graines, c'est peut-être plutôt des jetons blancs, effectivement. Ouais, on va mettre un jeton blanc parce qu'il y a déjà des jetons blancs pour les autres graines. Voilà. Ensuite, construction. Alors, je voulais construire, eh bien, les panneaux de recherche, les panneaux solaires de secours. Donc, je prends la carte et je la mets là pour bien indiquer qu'on est dans les... qu'on est dans le hub. Voilà. Ces cartes-là, elles ne sont pas situées en dehors, donc il faut les mettre à un endroit où vous vous souvenez qu'elles sont dans le hub. C'est-à-dire que les malus que vous pouvez avoir là, eh bien, s'appliquent. Alors là, on n'en a que deux. Ouais, c'est que deux, je me suis trompé. Donc là, je prends une défaillance à chaque tour, hein. C'est très simple, il n'y a pas à tortiller. Je récupère le jeton et on passe à la phase défaillance. Donc là, là-bas, il est indiqué qu'il y a un dé jaune. Je rajoute le dé rouge. On les lance. Et au niveau du dé rouge, et bien de toute façon, on va forcément avoir une défaillance back system. Alors, deux jaunes. Jaune, c'est ici, on n'a pas de plus 1, et là-bas, plus 2, donc plus 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
passe à 0 et on tire une carte. Complication ferme. Cette pièce est désormais en panne. Marqueur rouge. Donc ici, on met un petit marqueur rouge sur la ferme. Merde, pas un bleu, un rouge. Alors défaillance, et ensuite, comme d'habitude, la phase d'entretien. Donc le jeton premier joueur bascule. Je vais dépenser tout de suite mes deux jetons, j'ai le droit. Je peux en faire autant de fois que je veux. Et je retourne. J'y travaille. Donc pour deux jetons moral, je peux baisser de 2 sur un manetteur de défaillance au choix. Donc je baisse de 2 ici. Et comme on a la phase d'entretien, ben je retourne tout de suite. Hop. Voilà, et c'est disponible pour le tour suivant. Phase suivante. Alors défaillance, c'est fait. Phase d'entretien, c'est fait. Quatrième jour. Plus 1 au bloc atelier. Message du MCEI. Les relevés du bloc atelier sont inhabituels. Il va falloir y aller et trouver rapidement d'où vient le problème. Nous savons que vous êtes fatigué, mais ça a l'air sérieux. Plus 6 défaillances sur le moniteur de défaillance du bloc atelier. Vous pouvez défausser des jetons morales pour diminuer sa valeur de 1 par jeton défaussé. On a 2 jetons morales. Ça sert à rien de les gâcher. Donc là, on arrive là. Et notre bloc d'habitation passe lui aussi en rouge. Donc quand on arrive à 5 sur l'une des zones, c'est celle du dessus qui passe en rouge dans le bloc de défaillance. Et on tire une carte. Je la mets à 0 hein, tout de suite. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est bon? Bloc atelier. Non. C'est bien ça, le bloc habitation passe en rouge ici et je tire une carte au niveau du bloc atelier et non du bloc habitation. Complication garage, échec de stabilisation, conduisez avec prudence, cette pièce est désormais en panne, marqueur rouge dans le garage. C'est pas celui-là, c'est celui du dessus. Donc ça, ça aura une influence. Pour en phase d'entretien ou en réseau, c'est ces modules-là. Alors, on était où? On était à l'événement. Le premier joueur gagne ou des fausses du moral, donc je suis toujours à plus 3 en moral. Donc plus 3 en moral pour géologue. Ensuite, phase de production. Donc, qu'est-ce que ça donne à la phase de production? C'est toujours OK. Sauf que comme la ferme n'est plus alimentée,
un effet de fanaison. Donc fanaison, sauf erreur, eh bien, ça veut dire que la plante que l'on vient de planter va mourir. Mais je crois qu'elle avait augmenté d'un à la phase d'entretien. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Alors, est-ce que je l'ai planté au dernier tour ou au tour d'avant? Non, je l'ai planté à ce tour-là. Alors, effectivement, là, on a un processus de fanaison. Donc, pour enrayer ce processus, je suis obligé de dépenser en électricité. Sinon, je perds ma graine et automatiquement, le scénario est perdu. Ça, c'est fait. Alors, phase de production, c'est bon. Alors, contrôle des sous-systèmes. Gagner plus sa morale empêche les conséquences futures. Moi, effectivement, je vais le faire. Donc, je vais prendre mon drone de cartographie et je le mets. Donc, c'est fait. On passe aux actions. Alors, au coup d'avant, j'avais fait l'action construction, mais est-ce que j'ai bien construit? Oui, je l'ai mis là-bas, je suis bête. Alors, il va falloir réparer tout ça rapidement parce que je vais prendre une défaillance par tour, donc c'est un peu compliqué. De placer l'objectif jaune ici, ça c'est dans la fiche de scénario. Vous voyez que c'est pas facile, hein. J'ai beau avoir une partie dans les jambes, je tâtonne encore un petit peu. Bon, j'espère que ça vous dépanne quand même cette petite discussion autour du jeu. Donc là, je vous rappelle, donc effectuer l'action d'exploration sur les tuiles A1S et A2S, en plus de tout échantillon que vous devriez normalement placer sur le pion, ajoutez également un objectif orange. Pas simple, pas simple. Donc pour avoir ce jeton orange, il faut que je fasse l'action collecte. Donc on s'y référera lorsqu'on fera l'action collecte. Alors est-ce que je fais l'action collecte à ce tour-là? Avec le... J'ai pas encore utilisé les froggies, j'ai pas eu besoin. Donc je rappelle que les froggies, vous pouvez faire ces actions, mais uniquement à l'extérieur. Donc dans ces scénarios-là, vous ne pouvez pas utiliser par exemple le Scorpio pour faire l'action recherche, car le labo de recherche est à l'intérieur. Mais sur certains scénarios, vous pourrez faire cette action de recherche à l'extérieur. Alors, que fait-on au niveau action? Il faut que je répare tout ça là-bas. Pour ça, je vais avoir besoin de l'ingénieur. Donc l'ingénieur va essayer de réparer les deux pièces directement. Vous savez quoi, je crois que la partie de toute façon va être assez compliquée à mener à son terme, puisque vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pièces défectueuses. Et je vous rappelle que pour arriver au bout du scénario, il n'en faut que 6. Donc là, je ne vois pas comment je pourrais gagner cette partie, je ne crois pas que je vais la continuer. Parce que 12 pièces défectueuses, on est autour 4. D'ailleurs, je ne l'ai pas bougé là-bas, c'est rigoureusement impossible à faire.
Donc tout ça, c'est ce saloperie de dés rouge là, donc je sais pas s'il est pipé parce que... Hop. 1. 2. Bon, je crois que j'ai eu un truc de malchance, mais phénoménal. Là, je fais aucun 3, c'est incroyable. Pas un seul 3 sur 5 lancers de dés, et j'en ai fait 8 d'un coup. Avec un 3, et pourtant, c'est comme si je faisais des 6, hein, parce qu'il n'y a qu'une seule face 3 sur le dé. Donc ça, ça m'a coulé ce premier scénario de démonstration. Bon, ça me donnera une occasion de refaire et puis de progresser un petit peu. Mais là, si j'applique les règles du jeu, je ne peux pas gagner cette partie. C'est strictement impossible. Il me faut 6 pièces détachées, déjà pour tout réparer. Je n'en ai que 3 en stock. Je peux aller en chercher ici, mais ça va être... Alors, je peux aller en chercher parce que c'est un objectif secondaire. Donc, je vais vous reprendre la petite fiche. Alors, lorsqu'on fait l'action de collecte sur les A1 et A2, au sud, donc on peut 1 récupérer le jeton orange qui est là, et 2, quand vous effectuez l'action de collecte sur les A1, 2S et lancer le dé défaillance jaune ou orange, gagner autant de pièces de rechange choisies au hasard que le résultat du dé. Donc bon, ça me paraît trop difficile. Hein. J'en ai eu un tout petit peu moins, j'aurais continué, mais là je vois pas comment... Ça me paraît très très compromis. Donc je préfère redémarrer à nouveau une partie, donc je referai la vidéo. Et je serai encore un petit peu plus expérimenté, mais comme vous voyez, la phase d'apprentissage de ce jeu, qui est super intéressant, hein, franchement, là j'ai pas fait grand chose, c'est la route d'introduction, mais rien que ça, je le trouve assez sympa à jouer, même en solo, alors peut-être en multi c'est un petit peu mieux, mais je me méfie, parce qu'en multi vous avez que 2 actions, c'est pas beaucoup quand même. Est-ce qu'on passe pas son temps à regarder le jeu défiler? Je ne sais pas, c'est à voir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il y a eu quelques, j'espère, explications qui vous seront utiles. Je referai une partie d'exploration, je l'espère en entier, d'ici peu, parce que j'ai pas encore vu tous les éléments que propose ce scénario d'initiation. Et ça mérite d'être refait une autre fois. Donc après tout, je profite de cet échec pour refaire le scénario. Je pense que c'est utile. Je vous souhaite un bon après-midi puisque ici c'est l'après-midi et puis j'espère à bientôt sur cette chaîne. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu ou l'abonnement si ça continue de vous intéresser.